Roxane, c'est la référence française des claquettes à New York. Elle a travaillé avec les plus grands artistes depuis plus de 20 ans. Roxane Butterfly, vous êtes la première danseuse de claquettes que je reçois dans cette émission. Est-ce que les claquettes ont changé depuis le début des années 2000? Moi, j'en suis restée au Nicholas Brothers. Vous avez connu, je crois, d'ailleurs. J'ai travaillé avec les deux à Los Angeles en 98 et 2000 au Joyce Theater de New York. Ils étaient centenaires, déjà. Eux-mêmes étaient extrêmement modernes, c'est-à-dire qu'ils disaient souvent le hip-hop. Finalement, nous, on fait ça depuis 20 ans, déjà. On a participé à cette grande révolution musicale qui était la world music. Europe 1 Social Club. Roxane Butterfly est franco-américaine. À New York, elle est reconnue pour ses tapmatas, des rendez-vous underground qui croisent l'univers des claquettes avec la world music et d'autres danses percussives comme le flamenco. Moi, j'essaye vraiment de garder cette substance parce que d'abord, c'est comme ça que j'ai appris dans les clubs à New York avec ce groupe de gens qui s'appelait les Original Hoofers. Au départ, le tap dance, les gens ne le savent pas, mais il y a quand même une racine très très forte dans l'esclavage nord-américain.